Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Pokan5 et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de règlement du Tournament of Pokepad 2 Time of Random. Il y aura pour cette saison 4 règles principales à respecter. Chaque Pokémon encore en vie compte comme 1 point, gagner un combat fait gagner 3 points. Les Pokémon sont aléatoires en 7G, il ne faut pas tricher même si tricher sur Pokémon Showdown est impossible. Il faut essayer de ne pas abandonner, même si abandonner c'est un peu con dans un tournoi. Il ne faut pas prendre 30 ans à chaque fois pour choisir ce qu'on veut faire. Et pour cette saison, il y aura 4 équipes de 3 joueurs que j'ai réalisées. Ceci est déjà la fin de la vidéo du règlement. Bientôt, vous aurez la vidéo intro et quelle équipe affrontera qui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc la prochaine fois pour de prochaines aventures et bientôt pour le tournoi. C'était Pokan5, enjoy! Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pokan5 et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de randomisation pour savoir quelle équipe affronte qui. Normalement cette vidéo va sortir après l'intro, même si l'intro au moment où je vous dis ça n'est pas encore prête. C'est parti. Alors l'équipe 4 va affronter l'équipe numéro 3. Donc l'équipe 1 va affronter la 2. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures, et à bientôt pour le tournoi. C'était Pokan5, enjoy. Eh bien bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Pokan5, et aujourd'hui on se retrouve pour le combat entre Tinali et Shaolino du Tournament of Pokepot 2, Time of Random. C'est parti. Alors c'était en combat stratégique, Tinali lead avec Lumineon face à Kuroutan. Il utilise demi-tour qu'il... Pardon, on va baisser le son. Hop. Darkrai, Choc Psy qui rate. Alors, Tinali décide donc de se booter avec Nasty Plot, une attaque tonnerre qui va booster Oula. Cette attaque... Mekao, le Pokémon de Shaolino, il envoie Dracaufeu, un Vibro Obscur qui enlève beaucoup de dégâts, Dracochoc qui enlève pas grand chose malheureusement. Il switch sur Cyderella, très mauvais choix du côté de Shaolino qui perd son Cyderella inutilement. Pendant son finale, bon, Shaolino envoie Undoom qui lui fait faire Bomber, il est empoisonné, là Hidden Power qui enlève 30%. Qui va gagner ce combat? Voyons voir. Une seconde attaque Bomber qui va mettre KO le Démolos adversaire. Et maintenant voici Fermite. Tinali, Shaolino possède l'avantage du Ténèbre. Son Fermite tombe KO. C'est au tour de Polagriffe de venir au combat qui se prend Vibre Obscur qui perd 60%. Il est flinch malheureusement. Tinali pour l'instant se soigne. Il utilise Dark Pulse. Voilà, son Pola... le Pokémon de Shaolino est mort. Shaolino envoie Dracaufeu et met KO. Son Dracaufeu de Shaolino. Du coup, j'espère que ce combat vous aura plu. On se retrouve dans quelques secondes pour vous, pour le résultat du match. En termes de points, évidemment. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pokan5 et aujourd'hui on se retrouve pour le combat entre Ribolf et Tardos19, ou The Dardon sur Showdown. Mais bon, c'est Tardos19. C'est parti. Ribolf lead avec Démolos face à Lanterne face pour Tardos19. C'est une attaque éblouissante qui va mettre assez cher au Démolos. Switch sur Fragile Lady qui se prend une attaque tonnerre qui ne fait pas grand chose. Tardos19 switch sur Flamoutan. Il a l'avantage de timer une attaque dans Soulard, va faire assez mal. 34%, c'est pas négligeable. Les petits restes des deux côtés. Une attaque déflagration qui est esquivé, une deuxième, la suite eh bien, de Dansefleur qui inflige pas mal de dégâts. Est-ce que l'attaque déflagration va mettre KO? Effectivement, c'est un KO du côté de Tardos19 qui se soigne petit à petit. C'est au tour de Sablerois Lola qui fait chute glace, qui enlève pas mal de dégâts, on va dire, malgré que ça n'est pas très efficace. Mais évidemment, c'est du x4, déflagration met KO. C'est au tour de Darkrai, alors deux Darkrai du côté de l'équipe des Nuggets. Une attaque nerf qui va pas faire grand chose malheureusement pour le Darkrai de Rewolf.
une attaque Exploforce qui touche et qui met KO le Flamoutant. C'est au tour de Non mais oui qui malheureusement Darkrai rate son attaque Hypnose et se prend une attaque Éclat Magique qui va prendre assez cher. L'Hypnose marche. Odino est endormi. C'est le mauvais rêve qui enlève des PV. C'est la méga évolution tardive du côté de Tardos 19. Celui-ci utilise Mégaphone qui enlève 30% à peu près. Une attaque Exploforce qui enlève pas grand-chose du côté eh bien, adversaire. C'est une attaque Plénitude qui va permettre de se booster du côté de Tardos 19. Va-t-il gagner? Nous allons voir ça. Le Darkrai de Rewolf est KO. Et elle envoie donc désormais Demolos qui va utiliser Dark Pulse qui enlève rien du tout. Et c'est une attaque Mégaphone qui va mettre KO le Houndoom. Rewolf envoie donc Kulbutoke. Kulbutoke qui va prendre assez cher sur une attaque contre. Malheureusement, l'attaque contre ne va pas faire grand-chose. C'est une attaque abri qui permet de se protéger. Prélèvement du dessin qui ne sert à rien pour l'instant. Toujours un boostage avec du Plénitude. Du côté de Tardos 19 qui en profite pour se mettre, je pense, à son maximum de stats possible. L'attaque. Pour l'instant, le Kulbutoke ne peut pas faire grand-chose. Il prépare le prélèvement du destin. Et tombe KO et Odino tombe KO également. Kaimors Shiny face à Lima Speed. Qui va gagner? C'est le Toxique. Donc Rewolf est désormais face à la mort. Va-t-elle gagner? Je ne pense pas malheureusement. Une attaque laser glace qui m'est assez chère. Malheureusement, le Limaspin ne pourra jamais survivre et tuer 4 Pokémon. Donc, une attaque bourdon. Malheureusement, surf, voilà. C'est la fin de ce combat et c'est Tardos 19 qui gagne 4 à 0. J'espère que ce combat vous a plu. On se retrouve tout de suite pour le résultat avec les points. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pokémon5 et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier combat de ce premier affrontement de l'équipe des Nuggets face à l'équipe de la Team Pocos. The MR représente le dernier membre de la Team Pocos et Magikou, celui de la Team des Nuggets. Le combat peut désormais commencer. C'est un lit de Mascadra face à Kelorior. Pour l'instant personne n'a vraiment l'avantage. Une attaque Lame d'air qui fait assez mal. Et une attaque route malheureusement qui ne sert à rien. Y a un mauvais choix du côté de Zoimer qui se fait switcher sur Wailord face à Elexprint. Une attaque Gicledo qui one-shot le Elexprint. Adversaire maintenant c'est au tour de d'un Metalos Shiny qui va se prendre une attaque Gicledo qui lui enlève 75%. Une attaque Hatt qui va augmenter sa vitesse mais désormais c'est trop tard. Magikou tombe KO face à son Metalos. Wailord qui fait assez mal. Fermite qui utilise super surpuissance sur Wailord qui le met KO. Maintenant c'est au tour de Maconure d'arriver face à Boumata qui se prend une attaque Dynamo Point qui va forcément le mettre confus. Une attaque Point Glace qui va enlever 20% malheureusement, pas grand chose. La confusion va blesser. C'est une attaque clonage pardon. Et une attaque Déflagration qui va détruire le clone. Pour l'instant, un petit peu de soin grâce au reste et le Dynamo Point qui va mettre KO quasiment peut-être si la confusion ne passe pas. C'est une attaque séisme du côté de Magikou. ZMR switch sur Sorboboul, très mauvais choix, mais bon, la confusion met KO Boumata. Et Magikou envoie donc Fermite. Une attaque tête de fer va mettre KO le Sorboboul. Et c'est au tour de Deoxys forme défense d'arriver. Un assez bon choix malgré que. Il a une faiblesse, Maï, ça fait assez mal. Et malheureusement, c'est le flinch. La grêle continue de tomber pendant 3 tours, dans 2 désormais. C'est le switch pour arriver sur Mascadra, pour baisser l'attaque du Fermite. Une attaque tête de fer qui va enlever 50%. Qui va gagner ce combat? Pour l'instant, c'est assez serré. Une deuxième attaque tête de fer qui va mettre KO le Mascadra. Est-ce que ZMR va pouvoir riposter face à ceci? Deoxys forme défense arrive. Malheureusement. Ah! La tête de fer rate, et c'est le taunt malheureusement, qui ne sert strictement à rien en ce moment, et la tête de fer a quasiment mis KO le Deoxys défense, mais qui dépose les picots. Bon, la tête de fer qui va mettre du coup KO le Deoxys, et ZMR envoie donc Maconure, qui est ce qu'il aurait dû faire depuis le début, face à
Face à l'oiseau de l'Assadié dont je ne me rappelle plus le nom. C'est une attaque toxique, du coup, le knock-off qui fait assez mal. Et la danse éveil qui fait très mal face au Mâconnière. Et c'est au tour de Dodrio qui va gagner une attaque knock-off Kimeko. Le petit oiseau dont j'ai oublié le nom. Fermite qui prend assez cher sur les Pico et qui se prend knock-off, qui tombe KO, qui va gagner ce combat, qui va être assez serré. Smurgle qui perd 12%. Knock-off, Smurgle perd. Donc, ZMR gagne ce combat, mais nous allons voir ça tout de suite au niveau des points. Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Bogan5 et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de points entre l'équipe Nuggets et la team Pocos. Aussi, je descends petit à petit. T9 contre Shaolino, 9 à 0. En termes de points, je vous rappelle. Si on gagne le combat, c'est 3 points. Et pour chaque Wokan vivant encore, c'est 1 point bonus. Donc, 9-0, c'est l'extrême. Ensuite, Rewolf contre Tardos19, 0 points pour la team Nuggets et 7 points pour la team Pocos. Et enfin, 0 à 4. Donc, ça fait un total de 9 points pour la team Nuggets et 4, 11 pardon, pour la team Pocos. Donc la team Pocos se qualifie pour la finale et la team Nuggets se qualifie pour la finale entre guillemets des perdants. C'est le deuxième enregistrement que je fais, donc bon, avant c'était inverse parce que j'ai voulu de rajouter les points. Donc voilà, aujourd'hui c'est terminé, mais on se retrouve donc très bientôt pour le deuxième combat qui oppose la CNO face à la team des Kinder Surprise. C'est des bouquins 5, enjoy. Eh bien bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Bogan5. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Tournament of Pokepot 2. Time of Random, c'est parti. Aujourd'hui il s'agit de mon combat contre le quatrième et dernier chef d'équipe, Diflix. C'est parti. J'envoie donc mon Elector. Oula. Contre son trépassable, je vais baisser un petit peu le son. C'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo. Voilà, mais c'est bon. Du coup, je switch donc sur mon champignon pour avoir l'avantage du type. Je me prends une balambre et je perds également, du coup, la moitié de ma vie. Effectivement, ça a fait assez mal, donc je le spore. Pendant ce temps, bah, du coup, il ne peut rien faire. Les restes le soignent de ses PV. Il switch sur Pyrolyle qui va se prendre mon attaque. Balgren qui va lui faire assez mal. Bon, bah, pendant ce temps, il révèle qu'il est orbe toxique. Je me prends une vive attaque et cela me met dans le rouge. Il se prend une attaque tombe roche. Il tombe KO, mais moi aussi. Du coup, on meurt tous les deux. Il envoie donc son trépassable. J'envoie Melodelph. Il dort toujours. Pendant ce temps, bah, je pose les pièges de roc. Pendant ce temps, bah, son trépassable dort toujours. Je me booste avec plénitude pour taper un petit peu plus fort. Il se réveille et fait abri. Bon, bah, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais bon. Pendant ce temps, je continue à me booster. Je continue encore à me booster avec Plenitude. Je me prends une attaque Theory Force qui m'enlève 15%. Je lui balance une grosse attaque Pouvoir Lunaire qui le one shot. Le Majaspic est envoyé du côté de Diflix. Je me prends une attaque Tempête Verte qui m'enlève 20%. Pendant ce temps, il se booste grâce à son talent. Il se prend une déflagration qui va le mettre KO. Apiren vient et perd la moitié de ses PV à cause des pièges de roc. Il va se prendre lui aussi l'attaque Moonblast et va mourir. Pendant ce temps, c'est Dryhelm qui se ramène. Dryhelm qui va se prendre une attaque pouvoir lunaire qui va mourir également. Pendant ce temps, il envoie son dernier Pokémon, Judokrak. Je décide donc de frapper avec Déflagration qui lui met assez mal. Je me prends une attaque point glace, ce qui va me geler. Pendant ce temps, il révèle qu'il est Orbe Flamme. Je suis continué à geler. Je me prends une attaque point glace et je meurs. Je décide donc d'envoyer mon Pokémon Elector, d'utiliser Tonnerre et ça met KO ce match. Du coup, j'espère que ce combat vous aura plu. On se retrouve donc demain pour un prochain combat et très bientôt pour le comptage des points, tout simplement. C'était Bogan5 et je vous dis enjoy. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Bogan5 et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau
combat du Tournament of Pokepot 2 Time of Random. Aujourd'hui, il s'agit donc du combat entre Fifadrien et Eagle Puncher. Qui va gagner? Qui va remporter le maximum de points? Découvrons cela. C'est Rhinastock qui est envoyé contre Kikli. Alors, Fifadrien switch sur Bazookan qui va se prendre une attaque Piévoltiche qui va lui faire très très mal. Pour l'instant, il charge Bec Canon et se prend une attaque Sabotage. Et Hitmonlee est désormais brûlé suite au Bec Canon. Malheureusement, c'est mal joué du côté d'Eagle Puncher. Le Torterra qui est envoyé face à Roserade qui se prend une attaque Vibre Obscur qui ne fait pas grand chose. Pour l'instant, Eagle Puncher pose les pièges de roc. Une attaque Vibre Obscur qui est continuée. Une attaque Tempête Verte qui va mettre évidemment KO le Tortank. Petit fun fact, Fifadrien, pardon, avait mal lu la table des types. Et du coup, bah voilà. Rhinastock se fait aussi niquer. Du coup, c'est pour ça que il envoie des Pokémon faibles, à peu près, face au Roserade d'Eagle Puncher. Bon, la Tillery Force qui va faire 30% de dégâts, pas grand chose à peu près. La Grêle et les restes. Enfin, la reste. La boue noire qui fait effet. La Tempête Verte qui enlève de moins en moins car l'attaque spéciale de Roserade est baissée. Qui se prend une Earth Power qui lui enlève un quart de sa vie. La Grêle et la boue noire qui vont continuer de faire effet. Bombe à Eagle Puncher switch sur Dardarian qui va se prendre une attaque Tierra Force qui lui enlève 30% de sa vie. Pendant ce temps, Fifadrien continue à attaquer. Méga Beldrill avec Dance Slam se ramène. Faut faire attention, c'est un Pokémon qui peut frapper extrêmement fort. Et du coup, comme vous aurez pu le deviner, une attaque Plécroix va one-shot le Dragmara de Fifadrien. C'est au tour de Tranchodon de se ramener sur le terrain, peut-être pour se faire défoncer, qui se prend une attaque Plécroix qui meurt. Et c'est le Négapi qui se ramène et qui se prend également une attaque Plécroix et il meurt. Du coup, j'espère que ce combat vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois. Pour de prochaines aventures. C'était Pokémon 5 et je vous dis enjoy! Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pokémon 5 et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième combat et dernier de ce premier tour du Tournament of Poképot 2 Time of Random. Il s'agit du combat entre la fille de Tou et Hisokasama. C'est parti! C'est un Plumeline qui est envoyé face à un Empaleon qui prend 20%, posage des pièges de roc du côté de Hisoka, le U-turn qui permet de switch face à Aflamanoir, mauvais choix du côté de la fille de Tou, le Flash Cannon qui va lui enlever un petit peu, et le Déflagration qui va enlever pas mal de PV au Pangolon, malheureusement, une attaque Hydrocanon, et c'est fini du côté d'Aflamanoir. C'est désormais Brouabam qui est envoyé, qui enlève toute la vie restante au Pangolon suite à une attaque. Déflagration, une attaque pouvoir caché, puissance cachée, pardon, qui est envoyée du Papy Lord, qui perd également toute sa vie face au Exploud. Le Heatran qui est envoyé, qui va utiliser Toxique. Le Fire Blast qui va, malheureusement, grâce au talent Torche, pousser la puissance de Heatran. Mais malheureusement, la fille de Tou pendant quelques tours n'a pas pu comprendre ceci. Et donc, suite à cette erreur, le Exploud va mourir et c'est Deden qui est envoyé. Qui va se prendre une attaque Lumino-Canon qui va enlever beaucoup de PV et c'est le Hidden Power qui enlève 3% et le ballon explose et c'est la fin du côté de Deden très bientôt. Sauf si il meurt. Ah non, son talent lui permet de récupérer sa baie. Il paralyse grâce à l'attaque Tonnerre, ce qui est un très bon poids pour la Fido. Itran se protège, ce qui lui permet de rien faire. Du coup, bah, l'attaque Tonnerre. Qui fait un mine et du coup qui ne le tue pas. Deden meurt, c'est au tour de Plumeline de revenir, qui va utiliser une attaque vent violent. Le vent violent va mettre KO le Heatran. Et c'est ensuite Garchomp qui se ramène, qui se prend une attaque vent violent. Malheureusement, ça ne le met pas confus. Le séisme du côté d'Hisokasama qui a été un fail. Et le Hurricane, eh bien, qui ne fait rien. Le Stone Edge qui va quasiment mettre KO le Plumeline. Plumeline utilise donc demi-tour, ce qui est un suicide League. Du coup, le Givrali se ramène. Va-t-il pouvoir tuer le Karchak Rock? Malheureusement, non. Il meurt suite à une attaque Lame de Rock. C'est maintenant Brouabam qui se suicide. Plumeline est morte. Et voici le dernier Pokémon de la fille de Tou qui n'est autre que
Boule de nez qui va se prendre une attaque lame d'or qui lui enlève assez peu de PV. Il utilise Giga Drain qui va lui redonner les PV, mais il est hors de vie donc il perd 10% de sa vie. C'est le Aquali qui se ramène qui utilise Laser Glass qui va mettre très très cher au Tangrowth qui va malheureusement mourir suite à l'attaque sabotage et à l'orbe vie. C'est donc la fin de ce combat. J'espère que celui-ci vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures et à demain, normalement, pour le comptage des points. C'était Pokémon 5. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pokémon 5 et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo totale du comptage des points de l'équipe des Kinder Surprise contre l'équipe CNO. Premier match, moi-même face à Adiflix, j'ai gagné 4-0. Ensuite, Eagle Puncher face à Fifadrien, Eagle Puncher nous a rapporté 9 points. Et la fille de tout contre Hisokasama, c'était un 2-0. Et du coup, le total des points, c'est 13-2 pour l'équipe des Kinder Surprise. Du coup, eh bien, l'équipe des Kinder Surprise passe en finale. Et l'équipe CNO passe en finale, entre guillemets, des perdants, malheureusement, face à l'équipe des Nuggets. Du coup, et la team Pokos. Non. Si, et la team Poco se ramène en finale. Du coup, j'espère que ce premier tour du tournoi vous aura plu. On se retrouvera donc dès demain, normalement, pour le deuxième tour. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Pokémon 5 et je vous dis enjoy! Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pokémon 5 et aujourd'hui on se retrouve pour le premier match du tour 2 du Tournament of Pokepot 2 Time of Random. Et pour ce premier match, nous allons voir s'affronter Tinali face à Tiflix pour la finale des perdants. C'est parti! Alors, je n'ai pas activé le son, on va faire ça vite pour que vous ayez un petit peu de son. Reshiram contre Tarambule, c'est parti. Reshiram qui utilise Toxic et c'est le fail. La toile gluante qui est posée. Torterra qui arrive du côté de Diflix. C'est l'attaque Aquabrèche qui est donc utilisée pour enlever le maximum de dégâts. Et l'avampirisme qui est super efficace et qui enlève 34%. Face à cela, le Woodhammer qui enlève beaucoup de vie. Oh, à l'Araquah. Est-ce que qui va être le plus rapide? Forcément. Diflix switch sur Klefki qui va se prendre une attaque Leech Life qui va lui enlever que 7%. Est-ce que Tinali va-t-il rester sur son Tarambule ou va-t-il switcher? Et c'est la suite avec une attaque Aquabrèche et c'est la Calinerie qui va mettre KO l'attaque Pokémon, pardon, Tarambule. Tinali envoie donc Arcanin, Arcanin qui est forcément plus rapide que Klefki. Diflix switch sur donc Rosabis. Rosabis qui va eh bien, se prendre une attaque bout de feu qui va enlever 25%. Et Tinali switch sur Motisma, Herd et Torterra se ramène. C'est l'attaque Tempête Verte qui va mettre le Torterra de Diflix. Diflix envoie donc son Reshiram pour riposter. Forcément, je pense que Tinali va switcher. Eh bien, il reste. Mais malheureusement, il se fail sur l'attaque Feu Follet et se prend donc l'attaque toxique en revanche. L'attaque tonnerre qui va enlever 8% du côté de Tinali. Et c'est l'attaque flamme bleue qui va one shot le Motismatonte de Tinali. Pensant Diflix ouest. Et c'est l'Aerotex qui arrive face à Rosabis qui utilise Focassette qui enlève pas mal de vie. Malheureusement, un tiers de la vie est enlevé. C'est Rhinasoc qui se ramène. Qui utilise Séisme. Qui se prend une attaque séisme, pardon, et il utilise une attaque qui va mettre KO l'Aerotex, et c'est le Léviathan qui s'amène. Tinali, hop, il méga évolue et utilise une attaque cascade qui va enlever pas grand chose au Tartar. Tartar qui eh bien, reste face au Crefolet qui se prend une attaque laser glace qui va pas lui enlever grand chose du tout. Et c'est le switch sur. Trousselin, Trousselin qui va se prendre une attaque, rien du tout parce que c'est de la plénitude. Tinali se place. Qui va-t-il gagner? L'attaque toxique est donc ratée du côté de Diflix qui se prend une attaque puissance cachée qui va KO le Klefki. Diflix envoie donc son Rhinostock qui va se prendre une attaque choc psy et enlever pas mal de points de vie. Malheureusement, l'attaque séisme ne rate parce que le Pokémon de Tinali a
Lévitation et peut désormais tuer le Pokémon de Diflix et appelle donc Reshiram. Est-ce que Reshiram va pouvoir mettre KO le Pokémon qui se... Il se prend une attaque choc psy qui fait très mal, puis flamme bleue. Malheureusement, c'est le miss qui fera peut-être la perte de Diflix. Il switch sur Tartar. Malheureusement, Tartar va désormais tomber KO suite à attaque choc psy. Et c'est la fin de Diflix dans ce combat, je pense, parce que de toute façon, je sais qu'il a perdu. Voilà. C'est déjà la fin de ce combat. J'espère que celui-ci vous aura plu. On se retrouve, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est enfin, je vous dis enjoy. Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pokémon5 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite eh bien, du tournoi Tournament of Pokémon 2 Time of Random. Cette fois-ci, le match opposant Fifadrien face à Rewolf, c'est parti. C'est donc Strasif à Boreas Totemic qui est envoyé, c'est le Heat Wave qui fait pas grand-chose et le Power Gem qui fait assez mal, 50% d'envoyé. Et le Super Power, apparemment les images sont buggées. Le Super Power qui est bien, qui va baisser les stats évidemment, et le Power Gem qui met KO le Boreas. C'est Buzzwole qui est envoyé, qui va faire Joint Punch, qui va enlever 42%, et le Power Gem qui en fait 30%. C'est le Switch du côté de Fifavant et qui envoie Infernape qui va se prendre Joint Punch, qui va enlever 60%, qui fait extrêmement mal. Et du coup, le Fire Blast qui est envoyé, qui one-shot le Musquoto. Les animations sont buggées, je ne peux rien y faire, désolé. Le crabe omniable face à Alakazam qui se prend Choc Psy qui enlève 69% et qui reprend Choc Psy qui est KO. Le Scobelite qui arrive qui eh bien, est face à Electras qui se prend une attaque Mégacorne et qui enlève beaucoup de dégâts. Le Speed Boost qui va lui augmenter sa vitesse, malheureusement ça n'aura pas suffi, la Mégacorne rate et l'attaque Tonnerre qui enlève 64%. La Paralysie, malheureusement le Speed Boost va-t-il augmenté, malheureusement non, et c'est Grolem qui est envoyé. L'attaque tonnerre ne fait rien, et c'est le switch du côté de Riolf qui envoie Coxyclaque qui va se prendre une attaque Bull Rock et qui va mourir. Et c'est Alakazam qui est réenvoyé, qui méga évolue et qui se prend l'attaque Sucker Punch, mais qui ne va pas le mettre KO. Une attaque Choc Psy qui enlève 30%, le ballon explose. Et c'est une attaque Sucker Punch qui va encore mettre KO le méga Alakazam. Le Fragile Lady est envoyé face au Scobolide. Le Scobolide se prend une attaque Dense Fleur. Il résiste de très peu, mais malheureusement va mourir à ce tour-ci. Grolem arrive et il utilise Sucker Punch sur le Fragile Lady. Fragile Lady continue Dense Fleur qui met KO le Grolem. Qui Fifadrien a-t-il envoyé? C'est le Carbink qui arrive et qui se prend explosion, qui utilise explosion. Fragile Lady est quasiment morte. Et c'est le Chlamyrane qui arrive face au à le massacre. Malheureusement, Nuer ne fait pas grand-chose. L'Infernape revient pour le sacrifice et se prend l'attaque tonnerre. Et l'Hydrocanon qui miss et l'attaque tonnerre qui passe et qui enlève 52%. Malheureusement, attaque Hydrocanon rate encore et c'est Rewolf qui gagne ce match. J'espère que celui-ci vous aura plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Pokémon5, enjoy! Eh bien, bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est Pokémon5 et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode du tournoi. Cette fois-ci, match opposant Hisokasama face à Magikou. C'est parti! Et c'est le Giratina qui est envoyé face au Monsieur Mime. Et le Giratina se prend une attaque Choc Psy. Et c'est l'attaque Dracaucu qui est envoyée. Et c'est le fail. Une attaque Choc Psy qui est continuée. Pensant le Sceptolk qui ne sert à rien. Il se garde donc perdu. Une autre attaque Choc Psy qui se prend. Et cette fois-ci, la Shadow Ball qui enlève des dégâts au Mr. Mime. Enfin, c'est la première attaque qui fait du dégât. Pensant la Ballon qui est super efficace au Giratina. Pour l'instant, c'est une bataille de Ballombre. Bon, et c'est Monsieur qui l'emportera face à un crit. Et Giratina tombe KO. Et c'est au tour de Lugarok forme nuit. Face à Bagaïd. Le Sucker Punch qui rate. Et une attaque Fire Punch qui enlève des dégâts corrects, mais pas grand-chose. Et le Drain Punch qui va enlever 60% au Lycanroc. C'est le switch envers Demolos qui se prend une Drain Punch et tombe quasiment KO parce que Demolos est un Pokémon très fragile.
C'est 14% qui est envoyé et qui ne serviront à rien et qui sont régénérés face aux Bagaïdes. L'impudence est désormais posée et les Kaiser revient. C'est le switch sur le Rotom Fire qui se prend une attaque. Direct toxique et qui utilise tonnerre qui enlève pas grand chose mais des dégâts corrects. L'attaque qui enlève pas grand chose. Le Volt Switch qui est envoyé face à Bagaïd. Un bon choix. Et c'est l'attaque dont je ne connais plus le nom. Et ça est Kaïdra. Oh, c'est une attaque assez puissante, on va dire. Et les Kaiser tombent. Et c'est l'impudence qui est regagnée au Scrafty. Deoxys forme défense qui arrive. Et c'est le Seismitos qui enlève pas grand chose de 2%. C'est quasiment la fin. Malheureusement, le Scrafty va bientôt mourir. Il switch donc sur Goupelin qui va se prendre une attaque Frappe Atlas. Qui enlève les dégâts fixes évidemment. Et c'est la ballon qui enlève 58%. Ce qui fait extrêmement mal. Et c'est le Toxic qui est placé face au Deoxys. Qui va remporter ce match. C'est la ballon qui est déposée. Deoxys forme défense tombe. KO. Pendant ce temps, Goupelin perd des PV à cause de Toxic. Et c'est Musiole qui est envoyé. C'est la plénitude qui est posée du côté. Et c'est le U-turn qui est placé. Et qui envoie donc sur Lycanroc, forme nuit. Le Delphox meurt. Et Magikarp envoie donc son Bagaïd au Caspip qui va crever. Le Monsieur Mime arrive. Lui, il utilise Ballon. Et Lugarok forme nuit, meurt. Et c'est Volbeat qui arrive et qui. En ce temps, Monsieur Mime se booste, mais inutilement, le U-turn qui va faire un KO. Et le Lantern arrive, il utilise encore qui est raté, le Tonnerre qui enlève 52%. Plus aucune chance quasiment pour Hisoka. Il utilise un U-turn qui ne va pas faire grand-chose, l'attaque Tonnerre qui le met KO. Et c'est la fin de ce match. J'espère que ce combat vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. Et normalement, le prochain match se fait. Opposera eh bien la finale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Bogan 5. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo comptage de points eh bien des matchs de l'équipe CNO face à la team Nuggets. Diflix face à Tinali. C'est Tinali qui aura gagné eh bien 7 à 0. Face à cela, Fifadrien. Contre Rewolf, Rewolf gagne 5 à 0 et Hisokasama contre Majikou, Majikou gagne 7 à 0 et ce qui fait un total de 19 à 0. J'espère que ce premier match, ce résultat des points vous aura plu. Donc l'équipe des Nuggets arrive donc eh bien, 3e et l'équipe CNO, les chasseurs de Nuggets orthodoxes, arrive donc 4e pour cette saison. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve donc la prochaine fois pour de prochaines aventures. Et pour la finale, c'était Pugan 5. Enjoy! Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pugan 5. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la finale eh bien, du Tournament of Wackypot de Time of Random. Premier match, les chefs d'équipe qui s'affrontent. Moi-même face à Shaolino. Qui va gagner eh bien, pour gagner les premiers points. C'est parti! J'envoie donc mon Flamoutant. Shaolin envoie son Roucarnage, je switch donc sur mon Gastrodon, également lui switch sur son Sylvalier de type sol, il utilise Tomb Rush qui va pas faire grand chose pour l'instant, j'utilise Toxic pour gratter des dégâts. Il utilise Tomb Rush qui va rater, pendant ce temps j'utilise Scald qui va extrêmement faire mal, 50%. Le Toxic qui encore enlève des dégâts, la Sword Dance qui est placée inutilement du côté de Shaolin parce que je tue son Pokémon. En sort, l'orbe vie m'enlève des dégâts. C'est le Krabos qui est envoyé. Krabos qui utilise Play Croix qui va me faire extrêmement mal, 40%. Pensant, j'utilise Séisme qui va enlever malheureusement environ 37%. Je switch donc sur Xerneas en espérant eh bien, que je me reprenne une attaque Play Croix, mais malheureusement c'est le fail. Je utilise Tonnerre parce que je pensais que ce Xerneas était boostable, mais non. Le Persian Alola qui arrive, qui. Fait une puissance cachée inutile. Pensant, j'utilise Moonblast et le tue. C'est des dégâts de grade que j'utilise. Le Volbite qui arrive. Et le Infernape. Je me prends l'attaque Cage Éclair, ce qui est très handicapant pour un Simiabraz, malheureusement. Pensant, je suis paralysé, je n'attaque pas. Il switch sur Grumble. Je me prends l'Intimidation, ce qui va faire encore moins de dégâts. Je rate mon attaque Déflagration, ce qui est un mauvais point pour mon côté.
Je suis sur Gourutan qui lui va se prendre une attaque calendrier qui enlève beaucoup trop de dégâts. Je me regène avec les restes. Je me prends cette fois-ci une attaque séisme. Pensant que j'utilise la Trick Room, les Pokémon plus lents sont désormais les Pokémon prioritaires. Je suis sur Volutivaï qui se prend une attaque calendrier. Je perds 70%, c'est beaucoup trop. Du coup, je me sacrifie. Et j'envoie Gastrodon qui est très lent et qui peut utiliser Scald. Je misais sur la brûlure, malheureusement, je n'ai pas eu la brûlure. Il rate sa câlinerie, ce qui est un bon pas pour moi. Du coup, j'ai pu me sacrifier en utilisant une deuxième attaque Scald. Du coup, pensant, le grand bol ne fait pas grand-chose. Il a voulu faire séisme. J'envoie donc cette fois-ci mon Flamoutant. J'utilise une attaque déflagration, cette fois-ci qui passe et tue son grand bol. Il envoie donc Roucarnage. J'utilise Déflagration, je rate encore. Lui utilise Hurricane, Vent Violent, il rate également. Il méga évolue après je ne sais combien de temps, il utilise Hurricane. Ça ne me met pas confus, j'utilise la surpuissance de type, la puissance cachée pardon, de type glace. Je me prends le Vent Violent, je tombe KO. Bon, étant donné que je misais sur Xerneas et son attaque tonnerre, eh bien la vitesse a fait que je n'ai réussi à faire tonnerre, il tank 4 à 4%. Alors, je me prends canicule et je tombe KO. J'envoie Gouroutan en sacrifice en espérant qu'il rate son attaque. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et j'envoie donc Cinebras qui utilisera Mach Punch qui va mettre donc KO le méga Roucarnage. Et je me prends une attaque encore. Bon, bah pendant quelques tours, j'utilise Mach Punch face à Musiole. Bon, pensant lui se soigne avec des atterrissages, mais bon, c'est pas avec des Mach Punch que je vais le faire du dégât. Alors bon, là, ça continue. Il utilise U-turn pour gratter des dégâts, mais ça ne servira plus à rien. Je ne suis plus en encore. Je me prends en demi-tour et j'utilise la déflagration qui va mettre KO le Musiole. J'espère que ce combat vous aura plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Vogue25. Enjoy! Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Bogan5 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Tournament of Pokémon 2 Time of Random. Cette fois-ci, match qui opposera donc Eagle Puncher face à Tardos19. C'est parti. C'est le lead de Fulguris, forme Totémique et Mega Altaria. C'est le boost du côté d'Eagle Puncher. Malheureusement, il se prend séisme qui ne fait pas grand-chose. Il utilise Tonnerre qui enlève pas mal de dégâts, 42%. Heureusement, l'attaque Dracometeor de Megaltaria va faire très très mal. Eagle Puncher switch donc sur Grodrive qui esquive l'attaque Dracometeor et utilise donc Feu Follet qui va donc brûler le Megaltaria. Il utilise donc Heal Bell qui enlève cette brûlure. Malheureusement, le Ball Ombre qui va ne pas faire grand chose mais des dégâts corrects. Malheureusement, Tardos 19 se fail et utilise Séisme face à un Grodrive qui est également de type vol. C'est au tour de. Comment il s'appelle ce Pokémon déjà? Sinistrail qui arrive. Il se prend Ballon, il enlève pas mal de dégâts. Encore Shot qui va lui enlever pas mal de dégâts, 60-40% environ. La Ballon qui va mettre KO est bien le Sinistrail. Pour l'instant, Eagle Puncher a donc l'avantage. C'est le Goupelin qui arrive et qui utilise Déflagration qui va enlever 60%. Ça fait extrêmement mal. La Ballon qui est placée, super efficace également. Ça enlève un stack de PV. Bon, Eagle Puncher switch donc sur Charmina, pardon, qui va se prendre une attaque déflagration. Pour riposter à cela, il re-switch cette fois-ci sur Morpheo qui se prend une attaque Ballombre et qui ne fait pas grand-chose. Le Morpheo cette fois-ci se prend une attaque déflagration qui enlève 75% et utilise donc Zénith qui est un peu con face à un petit peu, mais bon, c'est l'attaque Ballombre qui meurt et les deux Pokémon tombent KO. Et le Pijako arrive face à Charmina. Charmina qui utilise Bluff pour gratter quelques dégâts. Pendant ce temps, le soleil continue. Et c'est la méga évolution du côté d'Eagle Puncher. Et le Boom Burst qui va tuer le méga Charmina. Eagle Puncher envoie donc désormais Fulguris qui va se prendre une attaque Babil qui va forcément lui mettre la confusion. Malheureusement, il se blesse dans sa confusion, ce qui ne fait pas grand-chose. Le Pijako récupère tous ses PV et utilise Boomburst ce qui va mettre KO le Fulguris. Eagle Puncher pour riposter face à cela envoie donc son Grodrive qui va lui également se prendre une attaque Babil, coup critique et meurt. Eagle Puncher envoie donc son cinquième Pokémon Scobolid qui lui utilise Rock Slide qui va enlever 70% qui est des dégâts très très bons. Malheureusement lui également se prend Babil évidemment et confus
et va peut-être mourir face au Pijako. Le speed boost, est-ce que ce speed boost aura servi à quelque chose? Non, parce que il meurt. Est-ce que Eagle Puncher va-t-il gagner? C'est le Viridium qui est envoyé, qui utilise pouvoir puissance cachée, pardon, probablement de Team Glace, et le Steelix qui arrive, qui esquive la première attaque Exploforce, pensant Viridium se prend une attaque séisme, régène quelques PV avec les restes, Viridium rate encore une fois son attaque Exploforce, la tête de fer qui enlève beaucoup trop de dégâts, l'Exploforce qui rate encore une fois. C'est l'éboulement qui enlève 16%. Est-ce que Gale Puncher va-t-il gagner face à cela? L'Exploforce qui est envoyé, Steelix tombe KO. Il reste le dernier Pokémon à Tardos 9 qui n'est autre que Florizarre. C'est la puissance cachée de type feu, je crois, qui doit le tuer. La poudre dodo qui n'aura servi à rien. Est-ce que Eagle Puncher va-t-il gagner? La puissance cachée qui enlève 30%. Et la puissance cachée qui enlève 30% également de l'autre côté. Et malheureusement, la puissance cachée n'aura pas suffi du côté d'Eagle Puncher. Et c'est le chaos du côté d'Eagle Puncher. Et c'est Tardos 19 qui gagne son match. J'espère que ce match vous aura plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures et pour le dernier match de cette finale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Pokémon 5. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pokémon5 et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier match eh bien, du Tournament of Poképot saison 2, Time of Random. Celui-ci opposera donc The Mare face à Laffy de Tou, pensant les scores étant très serrés. Je vous laisse commenter le match, c'est Apiren qui opposera Necrozma, deux Pokémon assez puissants l'un de l'autre, et c'est le Photogeyser qui va enlever pas mal de vie, 40%. Et c'est l'appel soin qui re-soigne eh bien Lapirenne. Cette fois-ci qui se prend une attaque Vibre Obscur et qui utilise appel attaque qui enlève 40% du côté de Necrozma. Les deux Pokémon ayant reste et se soignent leur PV, c'est la plénitude placée du côté de Zemer. Mais malheureusement, appel attaque est une attaque physique, donc ça ne fait rien du tout. C'est Mimiki qui est envoyé et du coup il se prend l'appel attaque. Son Fantomasque est brisé. Et du coup, bah, il peut perdre des PV à partir de maintenant. Il utilise Shadow Sneak qui va enlever pas grand chose, l'appel défense qui augmente les deux défenses de la Pyrène, la Calindrie qui enlève 43% à un crit, l'appel attaque qui enlève 12%, ce n'est pas grand chose. La Calindrie qui va enlever par exemple, pardon, cette fois 20%, l'appel soin qui va soigner Vespiquen, le Taunt qui est placé du côté de Zoemer et Toxic ne peut pas être placé du côté de la fille de Tau qui switch donc sur Au Massacre. Qui se prend une attaque Shadow Sneak. Mimiki se booste face à cette attaque. Lance-flamme qui est envoyé. La Calindrie qui est ratée. Malheureusement du côté de Zemer qui va se prendre une attaque tonnerre qui va quasiment le mettre KO. Malheureusement là, Zemer n'a pas trop compris. Il se booste avec Dance-Lame et tombe KO face au tonnerre de Au Massacre. C'est Giratina Form Original qui est envoyé qui utilise cette fois-ci encore Shadow Sneak. Qui va se prendre une attaque Hydro-Queue qui enlève pas grand-chose malgré un crit. Le feu follet qui enlève pas grand chose, le lance-flamme qui enlève encore pas grand chose. Les deux adversaires ne connaissent pas tellement leur table des types, malheureusement. Étant à côté, je trouvais le match fun, mais à commenter, c'est pas très drôle. Le Dracometeur qui enlève de quelques dégâts, la knock-off qui enlève pas grand chose. Les deux Pokémon étant brûlés, ça fait pas grand chose. La ballon qui va mettre quasiment KO, le Electros qui utilise Hydro-Queue, c'est des dégâts. Deux grattes qui sont faits et le massacre tombe KO. C'est le premier Pokémon KO du côté de la fille de Tou qui envoie donc Gigalith qui va se prendre une attaque Shadow Sneak et utiliser une attaque surpuissance face à un Pokémon Spectre. Évidemment, ça ne marche pas logiquement. Et c'est une attaque Shadow Sneak qui est envoyée du côté de Zoemer qui va se prendre une attaque Lame de Rock et qui va tomber KO. Zoemer envoie donc désormais son Rhino Love. Qui utilise lame d'air qui va pas faire grand chose face au Gigalith. Gigalith qui utilise Sisme face à Antibol, c'est le fail. La tempête sable qui enlève des dégâts convenables, on va dire. C'est le Vespiquen qui est réenvoyé du côté de la fille de Tou. Qui va se prendre une attaque psycho. Qui la tempête sable fait des dégâts des deux côtés. Les restes qui redonnent des PV évidemment. L'attaque Lunage qui va protéger un petit peu, mais malheureusement l'appel attaque pardon, enlève des dégâts pour le détruire. Le match commence à partir trop vite, c'est l'atterrissage qui est placé 2 EMR. L'appel soin pour soigner Vespiquen. C'est le switch envers Necrozma et l'appel attaque qui va le mettre KO, du coup c'est un switch useless.
Ratatak est envoyé et qui va utiliser Façade qui enlève 20%. L'appel attaque enlève pas mal de dégâts. Le Ratatak qui va être brûlé pour Façade, logiquement, utilisant Slam. Inutilité, malheureusement. L'appel attaque qui va quasiment le mettre KO. Là, logiquement, voilà, la brûlure l'a mis KO. Et c'est l'envoi eh bien, de Lugarok Forme Crépusculaire du côté de ZMR qui va se prendre une attaque. Appel attaque. Et j'ai dit deux fois le mot attaque. Il rate malheureusement son attaque. Lame de roi qui aurait pu être fatale. L'appel attaque qui enlève 40%. Qui va gagner? Et le Firefang qui passe et qui one shot le la pyrène, pardon, du côté de ZMR. Et c'est Tarpo qui est envoyé du côté de la fille de tout. La pluie est donc désormais placée. Et le scale qui est envoyé qui enlève 60% sous la pluie brûlée qui fait extrêmement mal face à ZMR. Et malheureusement, ZMR ne va pas pouvoir faire grand chose. Il utilise lame d'air. Est-ce que ça va le flinch? Non. L'ébullition qui met KO. Et le Lycanroc qui arrive et qui ne peut pas faire grand chose. Il utilise retour pour rater des dégâts. Et malheureusement, ça n'aura pas suffi. L'orbe vie le met en KO. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Bugan 5. Enjoy! Bonjour à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'une des dernières vidéos du tournoi qui, cette fois-ci, on va compter le point des Team Kinder Surprise face à Team Pocos. Tout d'abord, Pokigan 5, moi-même face à Shaolino, j'ai gagné 1 à 0. Pardon, je me suis trompé, j'ai oublié de rajouter les points de victoire, donc 4 à 0 pour moi-même. Ensuite, Eagle Puncher face à Tardos19, Tardos19 a gagné donc 4 à 0, ce qui fait une égalité parfaite. Et ensuite, la fille de tout face à ZMR, la fille de tout gagne 7 à 0, ce qui fait un résultat de 11 à 4 pour l'équipe des Kinder Surprise. Donc, la Team Pocos arrive donc second et les Kinder Surprise arrivent donc premier. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc la prochaine fois pour de prochaines aventures et normalement pour une vidéo débrief du tournoi. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Brian5 et aujourd'hui on se retrouve pour les backstage du Tournament of Pokepot saison 2. Bon bah, je vais vous mettre le logo en fond. Que dire? Eh bien, tout simplement, d'abord, bienvenue dans cette vidéo des backstage. Le Tournament of Pokepot, Time of Random, Tournament of Pokepot 2, Time of Random plutôt, a été organisé bien depuis mi-septembre. Donc, ouais, si vous voyez la date de sortie de la première vidéo, ça remonte un petit moment déjà. Hein. 26 novembre, quasiment 3 mois pour poster le premier épisode. Voilà, le tirage au sort. Les premiers épisodes sortis avant. Également, peut-être que certains vont vous demander pourquoi le règlement est sorti un mois avant. Alors c'est simple, ça revient bien au deuxième point. Tinali devait faire une intro pour cette saison 2 du Tournament of Pokepot, Time of Random. Mais malheureusement, eh bien, ayant l'intro, enfin, Tinali ayant l'intro, moi je l'ai pas eu, je l'ai jamais eu, je l'ai jamais vu en fait. Y a pas eu d'intro, tout simplement. C'est très simple, c'est très simple, c'est très simple, comment dire? Bien, l'intro était dans un mauvais format, donc sur Clé, je ne la voyais pas, sur Discord non plus, par message non plus, par mail également, je n'avais rien. Donc, pendant un mois, l'intro a retardé le tournoi, ce n'est pas la faute de Tinei, c'est à cause du format, de son logiciel probablement. Du coup, c'est pour ça que quasiment un mois sépare la première vidéo officielle du Tournament of Pokepot, celle du règlement avec le tirage au sort, mais l'intro devait sortir entre les deux, donc j'ai attendu, attendu, mais bon, au bout d'un moment, avec Tinali, on s'était mis d'accord que le Tournament of Pokepot, fuck it! Enfin, l'intro, pas le tournoi lui-même, fuck it! Parce que c'est quand même moi qui organise le tournoi, donc voilà. Également, les tournois ont été certains retardés parce que révision de devoirs ou bac blanc qui approche, même si le bac blanc était un moment déjà. Le bac blanc était il y a dans plusieurs semaines au moment où on le faisait, les matchs. Donc chacun était un peu occupé. Je vous rappelle que c'est moi qui organise ça tout seul. Organiser 12 joueurs, c'est compliqué. Donc certains ont des rythmes scolaires différents. Et voilà. Trouver les joueurs ont été. Trouver les derniers joueurs a été très dur. Par exemple, Diflix n'était pas censé participer. Il a quand même accepté au final. Merci à Diflix. Parce que sinon, vous n'aurez jamais eu le tournoi Matter Pokepot.
Et merci également à tous les joueurs qui auront participé. Je vais pas citer tout le monde parce que je sais que je vais en oublier, mais je les remercie tous. Même si certains étaient nuls en strat, en Pokémon, le jeu lui-même, ou même en skill, en chance, non, ce que vous voulez, ils ont accepté quand même. Je pense par exemple à Spifadrien, à Hisokasama par exemple, qui n'ont jamais joué forcément à Pokémon, qui ne savent pas trop comment ça marche, mais qui ont quand même accepté. Bon, même si à la fin, je vous dis pas, mais c'était un petit peu salé, hein. En mode, ouais, machin, c'est de ta faute, maintenant on va plus jamais participer. Mais bon, je pense qu'il dit ça pour le troll. Parce que sinon, je vais me poser des questions, moi. Je raconte pas la galère qui ça a été fait pour les trous, pour les titres, pour les trucs longs comme ça, là, j'ai dû coller les mots. Le pire, ça devait être. Attends, je vais retrouver. Ouais, le pire, ça a été celui-ci, l'épisode. L'épisode 11. Eagle Puncher contre Tarduzaf, ça a été le pire épisode que j'ai dû galérer à tout. J'ai dû tout coller. Littéralement, j'ai dû tout coller. Pour que tout rentre, parce que sinon je ne pouvais pas faire en sorte que tout rentre. Ça a été vraiment casse-couille, je vous l'assure. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Cette vidéo aura été l'avant-dernière. Ou la dernière. Je ne sais pas dans quel ordre sortiront les deux vidéos. Mais bon, le tournoi Mode of Pokémon saison 2 est officiellement terminé. La saison 3 arrivera pas avant un moment. Je pense pas avant mars. Personnellement, je veux le faire vers mars. J'ai déjà l'idée de quel tournoi ça va être. Manque plus qu'à trouver les joueurs. Mais bon, avant ça, j'ai quand même envie de faire autre chose qu'un tournoi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo backstage vous aura plu. On se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Pokémon 5. Enjoy. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Bogan5 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du tournoi Mode of Pokémon de Time of Random. Cette vidéo est enregistrée après la vidéo des backstage et sera probablement postée après la vidéo des backstage. Simplement, comme vous aurez vu dans le titre, j'ai déjà compté les points totalisés par chacun des joueurs qui est arrivé premier en termes de points gagnés. Nous allons voir ça tout de suite. En 12e place, 11e et 0 et 10e, eh bien Shaolino, Diflix et Fifadrien qui ont eh bien gagné chacun eux 3, 0 points. Et Hisokasama qui arrive 9e avec 2 points gagnés. Ensuite, ZMR aura gagné 4 points. Rewolf aura gagné 5 points. Bon, je vais pas vous dire le numéro à chaque fois qui est à côté parce que de toute façon vous le voyez. Magiku a gagné 7 points. La fille de Toi également a gagné 7 points. Moi-même, Pokémon 5, j'ai gagné 8 points. Eagle Puncher en a gagné 9. Tardos 19, 11. Et Tinali en a gagné 16. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la dernière vidéo du tournoi Mode of Poképot. J'espère que le tournoi vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien sous cette vidéo au moins. Ou si vous avez le courage sur toutes les vidéos du tournoi Mode of Poképot, la playlist, de toute façon, vous pourrez la retrouver très facilement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et j'espère que on se retrouvera l'année prochaine pour la saison 3. C'était Bogan 5 et je vous dis enjoy.